Anouche Cadelon a partagé un beau message à l'attention de Jacques Perrin. Migrez vers les cieux, monsieur Perrin, a-t-elle écrit. Et pour accompagner son message, la fille d'Alain Delon a partagé un cliché de l'acteur aux côtés de son papa. Une photo tirée de la série Franck Riva, dans laquelle les deux acteurs ont joué en 2003 le temps de plusieurs épisodes. Outre Anouche Cadelon, la chanteuse Clara Luciani a adressé un message plein de tendresse pour celui qui a bercé une partie de son enfance via sa story Instagram. Adieu mon Maxence, mon idéal masculin en toute simplicité, mon prince romantique. Ce soir, je chanterai pour toi, a-t-elle écrit. Jacques Perrin était considéré comme l'un des plus grands comédiens français de sa génération. Ce jeudi 21 avril, il est mort à l'âge de 80 ans, comme l'a annoncé sa famille dans un communiqué. La famille a l'immense tristesse de vous informer de la disparition du cinéaste Jacques Perrin. Il s'est éteint paisiblement à l'âge de 80 ans, ont écrit ses proches. Comme films, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne ou encore Les Choristes. Et au fil de sa carrière, il a multiplié les rôles au cinéma. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages, comme celui donc d'Anouche Cadelon et Clara Luciani, se sont multipliés sur les réseaux sociaux. De nombreuses autres personnalités de la musique ou du 7e art lui ont rendu hommage. Lui qui disait: Le cinéma, ça ne va pas fondamentalement changer le caractère des gens, mais ça les rend tout de même sensible.